Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous accueillir chez vous, dans vos salons, dans vos chambres, chez vous à la maison. Peut-être vous avez mis des écouteurs, vous êtes dans le train, dans le métro, dans le bus, peut-être dans un parc en train d'écouter calmement la parole de Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Merci, merci, parce que nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu sur un thème très simple qui est tout simplement que chacun donne, que chacun donne. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit des données. Eh bien, c'est un domaine très sensible, même moi-même, je n'aime pas vraiment parler de ça. Vous savez, les sensibilités qui tournent tout autour des données. Eh bien, moi, je n'aime pas vraiment parler, mais cependant, nous avons l'obligation de parler des données, sinon, eh bien, les gens ne sauront pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. La Bible dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'erreur. Pour le peuple, il faut qu'on parle pour qu'il y ait la lumière, qu'il y ait la parole de Dieu jaillir dans le cœur de tout un chacun de nous, afin que nous puissions savoir tous nos responsabilités. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui des données. Eh bien, beaucoup de gens, depuis que nous avons dit la dîme n'était plus d'actualité, eh bien, ils ont mis tout simplement une croix, ils ne donnent plus rien, ni pour leur famille, ni pour le veuve, ni pour les orphelins, ni pour le pauvre, ni pour l'œuvre de Dieu, ni. C'est-à-dire, pour eux, ils ont dit, ah, voilà la bonne nouvelle, la dîme n'est plus d'actualité. Déjà, on avait mal à donner cette dîme-là, on ne voulait pas donner, on trompait Dieu. Eh bien, quand nous avons dit que la Bible n'était plus d'actualité, eh bien, c'était un bon débarras, vraiment, voilà, de ne plus donner, de ne plus s'occuper de l'œuvre de Dieu. Voilà, maintenant, on fait ce qu'on veut, on avait la peine de donner un dixième, donc voilà. Donc, beaucoup de gens, c'était comme une délivrance quand ils ont écouté cette parole-là, alors qu'ils ont oublié qu'il y avait encore des obligations. En tant que chrétiens, nous étions liés à la matière des données. Donc, vous qui vous êtes réjouis que la Bible n'était plus d'actualité, vous ne pouvez plus donner. C'est pour cela que vous ne donnez plus. Ça fait une année, 2 ans, 3 ans, vous ne donnez plus rien pour l'œuvre de Dieu. Vous ne donnez plus rien, rien. Eh bien, vous êtes tombé tout simplement dans un piège du diable. La Bible n'est plus d'actualité, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus donner. Alors, la Bible dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La dîme, c'était une obligation dont on devait donner les un dixième. Mais maintenant, Dieu nous a affranchis de la loi de la dîme. C'est-à-dire, nous ne sommes plus liés dans ces un dixième. Mais cependant, nous sommes maintenant liés dans la loi de l'amour. Et dans la loi de l'amour, nous ne donnons pas un dixième à Dieu. Nous donnons à Dieu le 100% de notre cœur. Et si le 100% de notre cœur appartient à Dieu, cela veut dire que le 100% de nos biens appartient aussi à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, que vous devez comprendre par là? C'est-à-dire, les un dixième, c'était une obligation que vous devez prendre dans ce qui vous appartient pour offrir à Dieu. Ça, c'était la loi. Nous ne sommes plus là. C'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la loi du cœur, dans la loi de l'amour. Et dans la loi de l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tout ce qui est en toi est en lui. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Le problème, c'est que vous devez donner par rapport à ce qui se passe dans votre cœur. Or, n'oubliez pas que Dieu tient le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire qui est dans notre cœur, c'est Dieu qui le produit. Cela veut dire que Dieu peut produire dans votre cœur le vouloir de donner les 100%. Donc, si Dieu dit vous devez donner les 100%, vous devez aller au-delà des un dixième. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette fois-ci, nous sommes encore. Nous faisons ce qui est plus difficile que ce qui était dans la loi. Parce que dans la loi, vous donnez un dixième et puis c'est tout.
Mais ici, nous pouvons arriver à donner même le 100%. Je ne dis pas que forcément il faut donner le 100%, mais je dis avec ce qui se passe dans notre cœur, comme Dieu, il produit en nous le vouloir et le faire, donc il peut produire dans votre cœur le désir, il peut mettre dans votre cœur la pensée de donner le 100%. Alors, si vous étiez incapable de donner les 1/10 dans le passé, eh bien, laissez-moi vous dire que vous ne saurez pas donner les 100%. Il y a des gens qui ont donné les 100%. N'oubliez pas que lorsque un homme riche est venu vers Jésus, il a dit: Maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur dit: Ah ben, tu observes la loi, tu dis: Ben, j'ai observé la loi depuis toute ma jeunesse. Le Seigneur dit: Prends tout ce que tu as, vends, donne aux pauvres. Donc ça dit: Donne-moi les 100% de ce que tu as. Eh bien, la Bible dit, l'homme a réfléchi par deux fois, il a dit, eh bien non, je ne peux pas donner les 100% de ce que moi j'ai aux pauvres. Voilà là où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez suivre Jésus, vous devez comprendre que le 100% de tout ce qui vous appartient peut revenir à Dieu. C'est pour cela que je dis, vous qui êtes débarrassés, vous avez fait un soulagement, vous dites, oh voilà le message qu'on voulait, la Bible n'est plus d'actualité, comme ça, ça va nous aider à ne plus donner. Laissez-moi vous dire, vous devez maintenant apprendre à donner tout ce que vous avez à Dieu. Cela veut dire quoi? Je suis à l'écoute du Seigneur par rapport à tout ce qui m'appartient, parce que en réalité, ce qui m'appartient ne m'appartient pas, appartient à Dieu. Cela veut dire, si Dieu me dit, prends le 20% de ce que tu as, tu fais ça, je le fais. Si le Seigneur me dit, prends le 10% de ce que tu as, tu fais ça, je le fais. Si le Seigneur me dit, prends le 50% de ce que tu as, tu le fais comme ça, je le fais. Et si le Seigneur dit, prends le 100%, la totalité, comme il a dit à cet homme-là, vends tout ce que tu as et puis suis-moi, je vais le faire. Donc, nous sommes allés plus haut dans la loi du cœur. Et dans la loi du cœur, il n'y a pas 1/10, il n'y a pas 2/10, il y a la totalité qui appartient à Dieu. Si vous aimez Jésus, tout votre argent, tout ce qui vous appartient, appartient à Jésus. Cela veut dire que Jésus peut en disposer quand il veut pour un besoin bien spécifique. Alors la Bible dit, comme tu as résolu dans ton cœur, tu dois donner sans tristesse. Quand tu donnes à Dieu avec tristesse, il ne faut pas donner, vous perdez votre temps. Quand vous donnez à Dieu avec contrainte, on vous met des contraintes pour que vous puissiez donner, il ne faut pas le faire parce que vous perdez en réalité tout votre temps. La Bible dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime ce qui donne avec joie. Dieu veut à ce que nous puissions donner avec joie. Dieu aime à ce que nous puissions donner avec joie. Ni par contrainte, ni par tristesse, mais Dieu veut à ce que nous puissions donner avec joie. Et ça, c'est très, très important. Donc, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que la loi de donner, hein, est encore en vigueur. Nous devons apprendre à donner. Beaucoup de gens, ça fait 6 mois, ça fait une année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, il est dans le message, il défend le message, il est là en train de critiquer des pasteurs, en train de faire ceci, cela, en train de dénoncer, mais il est incapable de donner à Dieu ce qui lui appartient. Et ça, c'est anormal. Vraiment, je suis venu équilibrer les choses parce que je me suis rendu compte que beaucoup des enfants de Dieu, ils ne donnent plus, ils ne pratiquent plus les œuvres sociales, ils ne contribuent pas pour l'œuvre, ils ne visitent plus les veuves, les orphelins. Eh bien, ce sont des gens qui bouffent tout pour eux. C'est pour cela que vous avez aussi des sérieux problèmes dans vos finances, vous avez des sérieux problèmes dans vos entreprises parce que vous êtes devenu tellement égoïste, tellement gourmand. Tout revient sur vous, eh bien, vous ne pensez plus à l'œuvre de Dieu, vous ne pensez plus à Dieu, vous ne pensez plus à personne, eh bien, là ça crée un problème. Vous allez dire que non, qu'est-ce que le frère fait, il a changé le message. Non, je n'ai pas changé le message, je n'ai pas demandé l'argent de qui que ce soit, mais je suis en train de rééquilibrer les choses parce que nous sommes allés d'une extrémité, eh bien, les gens, ils ont oublié des choses. Et on se retrouve aujourd'hui devant des gens qui ont des sérieux problèmes. Et quand vous vous rendez compte, quand vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que non, ces gens-là, ils sont en train de tout bouffer pour eux. Ils n'écoutent plus Dieu. Ils sont tout simplement
tomber dans l'égoïsme, dans les soucis de ces siècles où on amasse tout pour eux-mêmes, l'amour de l'argent petit à petit, l'amour de soi-même, on veut soi-même, commence à gagner du terrain et nous sommes en train de perdre en fait de valeurs chrétiennes, des valeurs qui sont pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 31, ça c'est l'assistance au Christ. Le Seigneur est en train de parler que quand il reviendra dans sa gloire, il séparera les brebis avec les boucs et il dira aux boucs, moi j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter, vous ne m'avez pas assisté, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai été ni vous ne m'avez pas vêti, et il dira à ces gens-là d'aller dans le feu éternel. Et il dira de même aux brebis que non, j'étais malade, vous êtes venu me visiter, j'étais en prison, vous êtes venu me voir, donc j'avais faim, vous m'avez donné, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, donc j'étais ni vous m'avez vêti, et bien ils diront, quand avons-nous vu ni malade, ceci, cela, et il dira non, chaque fois que vous étiez en train de le faire à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous étiez en train de le faire. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous devons avoir toujours le bras ouvert, nous devons avoir toujours le cœur d'aider, le cœur d'aller vers ceux qui ont faim, donner à manger, le cœur d'aller vers ceux qui ont soif, donner à boire, le cœur de ceux qui manquent des habits, donner à vêtir, le cœur d'aller vers ceux qui sont en prison, les aider, les assister, le cœur d'aller vers ceux qui sont malades, les assister, les aider, ainsi de suite. Ça, c'est une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, lisez bien Matthieu au chapitre 25 à partir du verset 31. Cela est bien écrit. Si vous ne voulez pas assister ceux qui ont faim, vous ne voulez pas assister ceux qui ont soif, vous ne voulez pas assister ceux qui sont nus, vous ne voulez pas assister ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, eh bien, vous manquez des occasions pour manifester votre charité en Dieu. Ce n'est pas cette personne-là qui bénéficie, mais c'est Jésus que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas que Paul, lorsqu'il était en train de persécuter l'Église, le Seigneur lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, non, moi je te persécute, je ne te persécute pas, je persécute ces gens-là. Ils disent, non, c'est à moi que tu es en train de le faire. Donc souvent, nous croyons que si nous aidons telle personne, eh bien, il est bizarre, qu'est-ce que je vais gagner là-dedans, tout, tout. Non, ce n'est pas à lui, c'est lui qui bénéficie, mais c'est au Seigneur que nous sommes en train de le faire. C'est pour cela, nous ne faisons pas du bien pour que quelqu'un puisse nous retourner en retour. Non, 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 nous rendre en retour, non. Je fais le bien parce que je manifeste mon amour en Jésus. Je fais le bien, je ne m'attends pas à cette personne, qu'il soit reconnaissant ou pas reconnaissant, qu'il me retourne pas ou non. Ce n'est pas mon affaire. Je fais parce que quand je le fais, pour moi, je le fais pour Jésus. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas, il y a un problème. Vous devez aller assister des gens en prison. Vous devez aller assister des gens qui sont malades. Vous devez aller secourir ceux qui sont dans des besoins, faim, ceux qui ont soif, ceux qui manquent des habits. Ça, c'est votre responsabilité en tant que chrétien. Et dans Jacques, au chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, « La religion pire, quoi, et sans tâche, consiste à visiter le veuve et les orphelins, et aussi à se tenir loin de toute souillure. » Alléluia! Donc, la religion pire et sans tâche, consiste à visiter le veuve, les orphelins et à se tenir loin de toute souillure. Voilà la vraie religion. La religion pure, sans tâche devant Dieu. Oui, c'est bien, rabba, rabba, rabba. Oui, 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 on prie en langue. C'est bien, nous chantons comme des anges. Oui, c'est bien, nous allons évangéliser. C'est très bien. Mais le Seigneur dit, la religion pure et sans tâche consiste à visiter le veuve, à visiter les orphelins et à se tenir loin de toute souillure. Avons-nous le temps d'aller vers la veuve? Avons-nous le temps d'aller vers l'orphelin? Avons-nous le temps d'aller vers le pauvre? Avons-nous le temps d'aller vers les étrangers qui souffrent, les sans-abri? Avons-nous le temps d'aller vers ces gens-là? Où nous disons toujours, eh ben non, c'est l'État qui va s'en charger, c'est pas mon affaire. Les hommes des vieillards qui est à votre côté, avons-nous le temps d'aller? Même si vous n'allez pas avec l'argent, ne fût-ce qu'assister, ne fût-ce que
aller partager la parole de Dieu avec ces gens. Est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas. Mais non seulement nous devons aller assister, partager la parole de Dieu avec ces gens-là, mais nous devons aussi partager nos biens avec ces gens-là. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien voilà, nous sommes là, toujours dans nos calculs. Et bien non, je vais arrondir, c'est la fin du mois, machin, machin. On est devenu tellement égoïste, l'amour de l'argent est entré, au point où quand nous en avons, nous ne pensons même pas à l'œuvre de Dieu. Je dis, on ne pense pas à l'œuvre de Dieu. On est là en train de critiquer, en train de ça fait longtemps, tu ne mets plus de vidéos, machin, machin. Mais combien sont en train d'assister l'œuvre de Dieu? Ils sont combien de gens qui assistent l'œuvre de Dieu? Eh bien, si nous voulons aussi aller vraiment dans l'extrémité, la Bible dit, vous devez partager aussi vos biens à ceux qui vous prêchent la parole de Dieu. Avons-nous partagé nos biens à ceux qui nous prêchent la parole de Dieu? Et ça, c'est vraiment un point d'interrogation. Je ne dis pas que vous me donnez votre argent. Je ne viens pas réclamer de l'argent auprès de vous. Mais je dis, c'est ça aussi la parole. Si nous voulons vraiment rester cohérents avec la parole de Dieu, eh bien, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Partagez aussi des biens avec ceux qui vous prêchent la parole de Dieu. Nous ne le faisons pas. Nous sommes là en train d'écouter, de bénéficier des enseignements, mais nous ne le faisons pas. Nous avons un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, par conséquent, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? J'aimerais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, si vous restez là sans rien donner, sans rien contribuer, sans rien faire quelque chose, vous avez un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller visiter la veuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller visiter l'orphelin. Visiter l'orphelin, là, ce n'est pas aller bye bye orphelin, je suis venu vous voir. Non, ça dit amener aussi quelque chose. Amener du sucre, amener du lait, amener du pain, amener des habits, amener une enveloppe, amener voilà, une assistance. Voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de gagner, que ce soit 10 euros, 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, 50, je ne sais pas moi, faites-le et Dieu vous bénira, bien-aimé dans le Seigneur. Allez vers la veuve, allez vers l'orphelin, allez vers le pauvre, allez vers le délaissé, allez vers le réfugié, allez vers les étrangers qui sont là, les sans-abri, allez aussi vers votre famille, parce que la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens, de sa famille, il est pire qu'un païen. Il a renié la foi. Donc, quand je dis, il faut donner, il faut aller vers la veuve, je ne dis pas que donner à Blaise, hein, vous allez dire, ah ben c'est gars, commence à chercher de l'argent. Je ne vais pas chercher votre argent, je dis, allez donner aux veuves. Vous connaissez les veuves qui sont dans votre ville, vous connaissez les veuves qui sont dans votre quartier, dans votre avenue, dans votre bâtiment. Alors, assistez les veuves, allez vers les orphelins. Si vous ne savez pas, cherchez les orphelinats qui sont dans votre ville, cherchez les orphelinats, je ne sais pas. Allez assister, allez dans des hôpitaux, il y a des gens qui n'ont pas l'argent, allez les assister, ceux qui sont en prison, les sans-abri, ils sont partout, dans des métros, dans des trains, partout, en ville, ici, partout, il y a des sans-abri, ils ont besoin de notre assistance. Soutenons ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur. Allons apporter ce que le Seigneur nous a donné. Ne mangeons pas nous-mêmes. Allons vers ces gens-là sans contrainte, ni avec tristesse. Faisons-les avec joie et Dieu nous bénira abondamment. Allez aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu. Intéressez-vous un peu comment ces gens-là ils font pour faire des vidéos, comment ces gens-là font pour diriger des églises, comment ces gens-là font pour ceci, cela. Intéressez-vous un tout petit peu. Soutenez, bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, c'est très, très important. Ne soyons pas des gens qui ont dit, eh bien, la Bible n'est plus d'actualité, et puis, eh bien, c'est fini. Non, 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 bien-aimés. Le veuve, les orphelins, le pauvre, les étrangers, les sans-abri, eh bien, ils nous attendent. Nos familles nous attendent. Il y a des gens qui sont tellement égoïste, même leur propre famille, ils savent pas soutenir. Ah ben non, ma famille c'est plein de sorciers là-bas, moi je peux pas donner. Eh ben tu es pire qu'un païen, tu as renié la foi. Cet évangile qui consiste à dire que vous n'allez pas donner quelque chose à votre famille parce que ce sont des sorciers, cet évangile n'est pas de Dieu. La Bible nous dit de donner. Même si ce sont tes ennemis, tu considères entre guillemets tes propres familles comme tes propres ennemis. Qu'est-ce que la Bible dit? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donc il n'y a aucune raison qui peut faire à ce que vous refusiez de donner pour votre famille. Et ça, cet évangile-là ne vient pas de Dieu.
Donc, nous devons, bien aimé, faire de notre mieux. Et Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 1-4, nous apprend sous la discrétion. Cela veut dire, lorsque nous donnons au Seigneur, nous ne venons pas faire la publicité, nous ne voulons pas crier, nous n'allons pas dire, ben, c'est moi qui ai fait ceci, cela. Non, la Bible dit, quand la main gauche donne, la main droite ne peut pas savoir. Et là, j'ai eu un sérieux problème avec quelques amis qui n'ont pas compris, par exemple, la fois passée, lorsque nous sommes allés faire une grande action en faveur des pauvres, nous avons distribué plus de 220 sacs de maïs, de semoule de maïs, et nous avons montré ça. Et bien, les amis ont dit, ah ben, frère Blaise, pourquoi tu montres ces choses-là? Et bien, je voudrais vraiment vous tranquilliser pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas montré cela dans la vidéo pour nous faire voir, vous nous connaissez, et merci pour toutes ces remarques, et ça prouve vraiment que vous nous aimez, et je vous respecte et je vous bénis grandement pour ça. Nous n'avons pas fait ça pour montrer, en plus, bibliquement parlant, je n'ai pas de problème parce que ce n'est pas moi qui ai donné l'argent. La personne qui a donné l'argent, elle était en Europe, nous n'avons pas cité son nom, nous n'avons pas cité quoi que ce soit, nous l'avons gardé dans l'anonymat, dans la discrétion totale, nous étions juste pour distribuer. Et pourquoi nous avons distribué? Nous avons justement distribué devant tout le monde, un, pour la traçabilité, parce que beaucoup de gens qui sont en Europe, ils ont envoyé de l'argent pour qu'on soutienne le veuve, les orphelins, ainsi de suite. Et bien, cet argent a été tout simplement bouffé, ni image, ni ceci, cela. Et bien, nous connaissons ce qui se passe dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ont bien envie d'aider. Ils disent aider là-bas et puis les gens ils bouffent. Et bien, nous avons fait cela pour montrer que la traçabilité est possible. Vous pouvez voir ce que vous avez fait, votre argent a servi dans les images. Deuxièmement, nous avons fait ça exprès parce que la plupart des gens ne donnent plus. La plupart des gens sont devenus comme ça, égoïstes. La plupart des gens sont devenus des gens qui se sont débarrassés de tout ce qui est donné. Et bien, ils sont devenus sensibles. Ce n'est pas parce que les gens en abusent que nous aussi, nous devons ne plus faire. Et bien, on croise les mêmes. Non, ce n'est pas parce qu'il y a du faux, il n'y a pas du vrai. Il y a du faux, mais il y a aussi du vrai. Nous avons montré cela pour réveiller les esprits de tout un chacun. Et je peux vous dire, vous pouvez suivre un tout petit peu en image. Voilà cette action-là, comment nous étions en train de distribuer les semoules de maïs, ainsi de suite. Mais je peux vous dire, bien aimé dans le Seigneur, après cette action, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés et qui ont commencé à envoyer de l'argent. Eh bien, toutes ces actions, nous n'avons pas montré ça dans des vidéos, mais nous avons été plusieurs fois dans des orphelinats. Hein? Avec les biens que nos bien-aimés sont en train d'envoyer depuis qu'ils ont vu cette vidéo-là. Et au moment où je vous parle, il y aura encore une autre action en faveur des veuves très bientôt. Au moment où je vous parle, nous avons encore quelque chose où nous allons distribuer encore pour des enfants atteints du crochet encore. Donc il y a beaucoup des actions que nous allons faire. D'où vient cet argent? Eh bien, cet argent vient par rapport à ce que les gens ont vu dans cette vidéo. Donc, vous qui me condamnez, vous qui avez dit « Ah, frère Blaise, mais en réalité, ça a réveillé les esprits. En réalité, c'était une méthodologie pour montrer aux gens « Attention, vous êtes en train de dormir. Vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, vous réveiller et commencer aussi à donner comme les autres. » Ça n'avait rien à voir dans le sens de tirer l'alarme. Et voilà, nous sommes en train de faire ceci. La preuve en est une série des actions que nous sommes en train de faire maintenant. C'est après 2 semaines, 3 semaines, nous faisons, 2 semaines, 3 semaines, nous faisons. D'où vient cet argent? Eh bien, ce sont des frères et sœurs qui envoient, qui disent, frère, je n'ai pas le temps d'aller vers les orphelins ici, mais je donne mon argent, vous pouvez aller avec votre équipe, aller visiter les orphelins, le veuve, pour moi, ainsi de suite. Et les équipes se sont organisées ici. Depuis que je suis dans l'évangile, nous n'avons jamais été si présents dans le terrain social comme nous le faisons maintenant. Vous voyez, c'est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Et là, quand nous allons déposer ces histoires-là, nous profitons également pour évangéliser la parole de Dieu. La parole de Dieu est évangélisée, annoncée. Et bien, c'est important. Nous faisons d'une pierre des coups. Donc, nous ne montrons pas cela pour, se glorifier. Loin de nous, toute pensée de se glorifier. Nous avons montré cela juste pour réveiller les esprits des gens, montrer aux gens qu'on peut donner, montrer aux gens que vous pouvez faire confiance aux gens que vous envoyez de l'argent parce qu'ils sont en train de faire un travail impeccable pour le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la responsabilité de donner. Si vous ne donnez pas, alors
il y a un problème. Il y a un problème. Je vous encourage, bien-aimé dans le Seigneur, à donner. Je vous encourage, je vous en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez sortir de la médiocrité, de l'égoïsme. Vous devez sortir du mec comme ça. Ce n'est pas moi, je vous dis. Non, non, non. Vous êtes Camerounais, vous êtes Nigérien, vous êtes Ivoirien, vous êtes du Brazzaville, vous êtes du Togo, vous êtes de la France, de la Belgique, vous êtes, je ne sais pas moi, de l'Hollande, partout où vous êtes, de l'Afrique du Sud, je ne sais pas moi, Canada, États-Unis, là où vous êtes, je vous demande, allez chercher le homme de vieillard, allez chercher là où il y a le veuve, allez chercher là où il y a les orphelinats, regardez le pauvre qui sont tout autour de vous, donnez à ces gens-là, donnez, bien-aimés dans le Seigneur, allez chercher ceux qui sont sans abri, donnez, soutenez ces gens-là. Quand vous le faites, Dieu vous bénira. Quand vous êtes en train de le faire, en réalité, vous êtes en train d'assister Jésus. En réalité, vous êtes en train de faire Jésus. L'amour ne consiste pas seulement dans les blablabla. Vous parlez trop. Non. Si ton frère a faim, vous le dites, que Dieu vous bénisse, allez-y. Est-ce que c'est ça Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. Si ton frère a faim, il est dans des problèmes, ce qu'il faut faire, c'est de mettre l'argent dans la poche et de l'aider. Si tu vois, il y a quelque chose, il y a ton voisin qui est en train de mourir de faim. Vous n'allez pas venir dire Matthieu 5, vous me dites non, vous devez prendre la nourriture dans votre maison, aller lui déposer. C'est ça la chrétienté, c'est ça être disciple de Jésus, c'est ça être enfant de Dieu. Ce n'est pas l'esprit d'égoïsme que nous avons. Sachez que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, c'est ce que la Bible nous dit. Dans le dernier jour, les gens seront égoïstes et beaucoup de gens sont tombés dans le piège d'égoïsme. Nous ne devons pas tomber dans le piège d'égoïsme. Sortons de l'égoïsme, bien-aimé dans le Seigneur. Mets ta main dans la poche. Le paix que tu as. Ah oui, tu vas me dire, ben, bien-aimé dans le Seigneur, moi, c'est qu'on me donne, je ne sais même pas nouer les deux bouts du mois. Ah oui. La femme là, qui avait accueilli Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait que tout ce qu'elle avait, c'était le dernier repas. Et elle a dit à Élie, tout ce que j'ai, c'est ça. Je vais manger moi et mon enfant et puis nous allons mourir. Et lui, il dit non, commence d'abord par me donner. Ne dis pas que ce que moi j'ai, ça ne peut pas réunir le début du mois. Si vous dites comme ça, vous ne donnerez jamais à Dieu. Si vous dites comme ça, vous resterez toujours dans votre incapacité de ne pas nuer le début du mois. Vous devez aller vivre par la foi, le paix que vous avez. Dites aussi que je vais agir pour le pauvre, je vais agir pour le veuve, je vais agir pour les orphelins, je vais agir pour l'œuvre de Dieu, je vais agir pour ceux qui sont tout autour de toi. Je dis d'abord, commencez par ceux qui sont tout autour de toi. Tu peux aller maintenant dans votre pays respectif. Commencez à envoyer aussi pour qu'on assiste des gens dans vos pays respectifs. Nous sommes dans des pays, nous sommes en Afrique, vous savez l'Afrique c'est compliqué, les gens souffrent. Des fois quand je vais à l'hôpital, les gens sont incapables de s'acheter des dipirones, des seringues, dipirones, seringues, qui coûtent moins de 1 euro. Moins de 1 euro, 0, je ne sais pas moi quoi. Les gens sont incapables de faire une mère. Bienvenue dans le Seigneur, nous serons sévèrement jugés si nous mangeons, nous pensons qu'à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, même pour le serviteur de Dieu que nous sommes, nous avons aussi les droits de manger, nous avons aussi les droits de bénéficier, de vivre de l'évangile. Si nous ne les faisons pas, eh bien, tout simplement parce que nous ne voulons pas mettre un obstacle à l'évangile. Si nous ne les faisons pas, c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas nous confondre avec tous ces charlatans qui sont à gauche, à droite, hein, qui passent tout leur temps à rançonner le peuple de Dieu avec des fausses prophéties, avec des prédications erronées visant l'argent, alors qu'ils sont là d'abord pour préparer le peuple de Dieu. Et ils ne préparent pas le peuple de Dieu. Ils passent tout leur temps à demander de l'argent, Eh bien, la Bible est claire. Lorsque Paul est en train de parler à 1 Corinthiens, je vais les lire avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Commençons la lecture à partir du verset 4. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 4, la Bible dit, « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et le frère du Seigneur et ses fasses? Ou bien, est-ce que moi, Sel et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Oui, jamais.
fait le service, oui, jamais fait le service militaire à ses propres frais. Qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne miseras point le bœuf quand il foule le grain, Dieu se met en peine de bœuf. » Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule les grains foulé avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, est-ce qu'une grosse affaire si nous mentionnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits, au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Ça, j'ai aimé ces versets. Écoute encore, je recommence le verset 10. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Mais savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, ainsi de suite. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, nous avons aussi droit, bien-aimés, nous avons aussi droit. Mais Paul dit, si nous ne jouissons pas de ces droits-là, c'est parce que nous ne voulons pas mettre d'obstacles. C'est-à-dire, moi, Blaise Mpong aussi, je ne jouis pas de ces droits-là. C'est parce que je ne veux pas mettre de l'obstacle dans l'évangile. C'est parce que je ne veux pas mettre de l'obstacle. C'est parce que je ne veux pas me confondre avec tous ces gens qui ne font rien, qui refusent de travailler, qui sont là seulement pour rançonner le peuple de Dieu, qui sont là seulement pour dépouiller le peuple de Dieu. Ne voulant pas nous mettre dans cette liste-là, eh bien, nous avons accepté de tout sacrifier, de tout quitter, nous avons accepté de ne pas jouir de nos biens, et bien tout simplement pour que l'évangile aille de loin, aille de l'avant. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, nous avons renoncé à nos droits, nous avons dit non, nous ne touchons pas à cela, mais nous vous montrons la voie royale. La voie royale est que vous devez faire quelque chose là où vous êtes à Paris, à Bruxelles, vous êtes en Hollande, en Suisse, vous êtes au Canada, aux États-Unis, vous êtes au Congo, vous êtes à Brazzaville, Togo, ainsi de suite, dans votre ville, là où vous êtes, commence à faire quelque chose, soutiens l'œuvre de Dieu, commence à faire quelque chose, soutiens le veuve, les orphelins, soutiens tous, et le Seigneur vous bénira. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, si vous étiez tombé dans un piège, et le piège qui était tout simplement de ne plus s'occuper de l'œuvre de Dieu, de ne plus s'occuper de votre famille, de ne plus s'occuper des orphelins, des veuves, vous avez dit, eh bien, la Bible n'était plus d'actualité, vous ne donnez plus, vous êtes là, vous mangez vous-même, vous êtes là bourré de vos calculs, et eh bien le Seigneur vous interpelle, il dit, niet. Je veux ma part. Je veux que tu aies un cœur de donner. Je veux que tu aies un cœur de supporter les autres. Je veux que. Et à partir de maintenant, change. Votre argent appartient 100% à Dieu. Avant d'engager toute forme de dépense, consultez Dieu. Écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Si Dieu dit, mangez ça tout, vous mangez tout. Si Dieu dit, comme il a dit à cet homme riche, la prenez, va distribuer aux pauvres. Obéissez, exécutez et Dieu vous bénira. Si vous ne le faites pas, bien-aimé dans le Seigneur, vos finances seront comme ça, bloquées. Vos finances ne vont pas avoir une prospérité, une explosion. Eh bien, pourquoi vous avez des problèmes dans vos finances? Pourquoi ça ne marche pas dans vos entreprises? Eh bien, vérifiez qu'est-ce que vous faites pour Dieu, qu'est-ce que vous faites pour votre prochain, qu'est-ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que vous faites pour votre famille. Eh bien, répondez à cette question et vous allez avoir des réponses. En tout cas, soyez bénis. Merci pour vous tous qui nous avez suivis. Merci pour ces bons moments que nous avons passés dans la parole de Dieu sur les données, ce que le Seigneur attend de nous. Et merci également pour vos soutiens. Vous qui ne trouvez pas des orphelinats, des hommes de vieillard,
ou qui n'avaient pas le temps, vous voulez à ce que l'on le fasse pour vous, eh bien, il y a une équipe qui est disposée ici à Kinshasa, qui sont en train d'aller vers les orphelins, le veuve, le pauvre, ainsi de suite. Eh bien, vous pouvez contacter ces bien-aimés-là, hein, sur ce numéro affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez contacter, on va vous orienter et vos dons, votre participation ou bien tout ce que vous voulez faire en faveur de ces gens-là seront faits avec fidélité au Seigneur. En tout cas, soyez bénis. Merci pour votre particulière attention. Je ne suis pas venu vous condamner, mais je suis venu tout simplement vous réveiller afin que vous puissiez entrer pleinement dans ce que le Seigneur est en train de demander pour vous. Soyez bénis. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous reviendrons pour une autre émission afin de partager la parole de Dieu. Je vous aime. Soyez bénis. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.